Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Du feu de Dieu, mesdames et messieurs. Oh là là, quelle nouvelle! Quel nouveau dossier je vais devoir traiter, mesdames et messieurs. Je n'arrive pas à en croire. Ce dossier existe vraiment. Mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de créer une alliance défensive. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous montrer? Une Afrique unie. On a les États-Unis, le Royaume-Uni et on va avoir les États-Unis d'Afrique. Oh, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être quoi la suite? On va avoir 50 Cent du Mali, Michael Jackson du Niger, oh, Brad Pitt du Burkina Faso, oh, Nollywood. Oh, ça va être du grand n'importe quoi, mesdames et messieurs. Une Afrique qui commence à mettre sur le papier qu'ils sont unis. Non, on est des frères. Non, on est des frères. Là, on l'a mis sur le papier. Trois pays qui s'allient et qui font front face à la CDAO, CDAMBA. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? C'est l'unité. C'est le futur. Oh là là, je suis tellement content de voir cette alliance voir le jour. Ce petit bébé qui vient de naître, n'est-il pas si mignon? N'est-il pas... comment dire? Là, maintenant, il va falloir lui donner le sein pour qu'il puisse téter et grandir et s'agrandir. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait d'autres pays qui viennent aussi s'allier et créer les États-Unis d'Afrique. Ça veut dire qu'il y aura Las Vegas. Ensuite, nous, on aura Las Nigas. Ça va être du grand n'importe quoi. Nous sommes contents et heureux de voir cette alliance voir le jour. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, nous savons que la CDAO, CDAMBA ne va pas laisser cette alliance tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, il va falloir les soutenir. Parce que c'est facile de dire, ah, c'est beau, c'est magnifique, mais là, il faut les soutenir. Ceux qui ont le pouvoir de soutenir ces trois pays, mettez-vous au diapason. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Dans tous les cas, nous, ce que voulons, c'est le peuple qui se trouve en paix. Nous voulons la paix du peuple et surtout que le peuple puissent profiter un petit peu des ressources qui se trouvent juste en dessous de leurs pieds. Tout ce qui se finit en niom, tout ce qui se finit en je ne sais quoi, tout ce qui se finit en or, tout ce qui brille, tout ce qui est intéressant. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Et même la nourriture. C'est fini! C'est fini, on vient, on prend et puis on s'en va! Maintenant tu vas venir. Il y aura des contrats. Tu vas dire, mais attendez, moi j'ai l'habitude de venir, je m'entends bien avec Ousmane. Ousmane, alors on s'entendait bien sur les prix qu'on avait mis ensemble, hein? 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 Maintenant, il y aura des contrats, des prix fixes, ou bien des prix qui vont bouger selon le vouloir du peuple et selon les besoins du peuple. Oh là là, n'est-ce pas absolument magnifique? Hein? N'est-ce pas encourageant? J'espère qu'il y aura d'autres pays qui vont rejoindre cette alliance et qui vont faire front face à l'oppresseur, face aux faux frères, face à toute cette mascarade. Dans tous les cas, le Burkina, le Mali et le Niger sont officiellement associés, alliés. Et je suis tellement content que mon pays d'origine est aussi dans ce coup.